Nous sommes toujours en présence de Christopher, hein, cet éminent breton qui représente Hatsu Hatsu. Hatsu Hatsu. Alors, Shoshon en japonais, Shoshon en japonais. Quand vous dites quelque chose à vous, je fais Hatsu Hatsu Hatsu. D'accord. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Alors donc là, on prépare les bento. Les bento, c'est des plats avec plein de différents produits. Donc on a du poulet, du bœuf, des nouilles. Ça, c'est du gyoza. Des gyoza frits, l'oignon. D'oignons. Qu'est-ce que tu nous fais goûter? Allez, c'est parti. On va goûter. Couleurs, de toutes les couleurs. Hein? Du Queen Amand rose, du Queen Amand gelé, du Queen Amand blanc. Une amande jaune, c'est très, très bon. Non, c'est délicieux, ça me régale. Des takoyaki, ouais, la sauce pimentée. D'accord, ça c'est des petites boules à base de pâte de poule. Exactement. Là, gyoza, des gyoza. Dans les raviolis japonais. Voilà, des poulets teriyaki. D'accord. Du kimchi coréen. Alors, du chou pimenté. Chou pimenté, tout à fait. Du riz japonais riz rond avec un peu de sésame. D'accord. Là, des nouilles sautées yakisoba. D'accord. Avec ciboule et nouilles et choux et carottes. D'accord. Là, là des edamame, c'est des fèves de soja. D'accord. Donc, ça se prend un peu en entrée. Il faut presser pour faire sortir la fève. D'accord. C'est pas des haricots verts. Hein. Ici, tu as rajouté quelque chose là, dessus. C'est une autre variation en ouais. Sauce. Donc là, c'est la sauce classique otafuku avec de la mayonnaise japonaise un peu vinaigrée et des copeaux de bonite. La bonite, c'est un poisson oui, qui a été pêché, séché et râpé et sous l'action de la chaleur ondule. D'accord, bah écoute, génial Christophe. Ah. On découvre tout ça avec grand plaisir, ça fait vraiment ça change, envie. C'est... J'ai envie de manger japonais autrement. Ouais, c'est vrai. Et puis, moi, je retrouve le plaisir des bento parce que j'ai quand même pas mal d'amis japonais que je salue d'ailleurs. Et c'est magnifique. En tout cas, merci encore. Bon appétit surtout. Ouais, mais merci. Alors il y a du piment. Et il y a aussi du piment. C'est pimenté, c'est de la Bubbles Fire, okay. Fire Bubbles. Non, c'est très très bon, franchement. Alors, c'est épicé, hein, parce qu'il y a des choses qui sont aussi épicées, mais... On est sur un mélange très délicat.